Les étranges machines de cet hôtel ont fait sa gloire et sa décadence. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Avec plusieurs étages et une centaine de chambres, c'est une exploration pleine de surprises qui nous attend. On s'y plonge ensemble. Une fois de plus, on est dans un hôtel abandonné qui est complètement immense. C'est vraiment peut-être le plus grand qu'on ait exploré jusqu'à maintenant. C'est bizarre parce que je dis ça quasiment à chaque fois. Et pour le coup, je me disais, j'ai mes caméras, c'est complètement hasard, donc autant faire une vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez peut-être déjà vu cette pièce sur des photos d'Urbex. Maintenant, elle est un petit peu taguée d'un côté, mais si on se met avec le bon angle, c'est encore plutôt sympa. Après, pour être honnête, c'est pas la partie la plus intéressante de cet hôtel. Je vais vous montrer des parties qui sont, à mon sens, beaucoup plus intéressantes que ça. Bon, en vrai, c'est pas exactement un hasard. J'ai un peu d'émotion à me retrouver là. Peut-être parce que je pensais que cet endroit avait disparu. Mais nous y sommes. Pourtant, comme je l'ai dit, pour moi, c'est loin d'être la pièce la plus intéressante de l'hôtel, et ça serait vraiment dommage de faire l'impasse sur le reste. Avant d'aller dans les étages pour y faire d'étranges découvertes, ça ne mange pas de pain de jeter un œil aux cuisines. Fallait bien nourrir les hôtes prestigieux, parfois venus de loin. L'hôtel était un des plus luxueux de la région, alors on peut imaginer que la bonne nourriture faisait partie du package. Probablement un peu plus haut de gamme que les croque-monsieur qu'on a pris au café du coin, en prévision de ce long tournage. Je me contente de peu, vous savez. Pour la suite de la visite, on va se diriger au premier étage. L'escalier peut être plus grandiose que la salle drapée. Au plafond, il y a un certain style art déco que j'affectionne particulièrement. Peut-être un indice sur l'époque de la construction? Honnêtement, ça n'a pas pris une ride. La cour intérieure nous donne un meilleur aperçu de l'immensité. On sait déjà qu'il nous faudra des heures pour tout voir. Et c'est parfait. Ce dédale, témoin d'une époque révolue, nous offre une bulle de fraîcheur bien agréable en cet après-midi d'été. Pour commencer, je vous emmène voir les machines étranges. Je veux pas parler de ce vieil écran d'ordinateur, qui est peut-être quand même étrange pour les jeunes d'aujourd'hui. Quel boucan ils font sous mes fenêtres avec leur skateboard. Encore un truc venu des Amériques qu'il faudrait réglementer. Non, il y a plus surprenant ici. On va parler de cure thermale et regarder d'un peu plus près les équipements de soins. Il y a une ambiance avec des portes qui claquent, comme s'il y avait quelqu'un qui s'amusait à les faire taper, mais c'est juste le vent. C'est assez particulier, mais on s'habitue en fin de compte. Il y a une époque qui est pas si éloignée où il y avait tout un business du tourisme thermal. En gros, vous alliez dans des villes avec de l'eau qui était réputée pour avoir certaines qualités, et puis vous faisiez tout un tas de traitements avec cette eau. La ville où on se trouve était réputée pour ça, et donc cet hôtel était vraiment le plus luxueux et ça permettait aux gens de venir faire des petits traitements avec de l'eau thermale, comme par exemple dans cette pièce notamment. C'est ainsi que dans cette section, il reste beaucoup d'équipements destinés aux bains, inhalations et à d'autres traitements qu'on n'a pas identifiés formellement. Les cures thermales, ça existe toujours. J'ai dit que c'était passé de mode, mais ça n'est pas tout à fait exact. Dans les années 90, le secteur a subi une grosse perte de vitesse et il a fallu s'adapter. Certaines villes, basant toute leur activité sur le tourisme thermal, ont subi la crise de plein fouet. Depuis, le domaine s'est un peu remis en forme, en se modernisant et en s'adaptant. On s'y repenchera plus tard. Pour cet hôtel, la fermeture a eu lieu au milieu des années 2000. On constate déjà les effets du temps. Sous la pellicule de poussière, ça rouille, ça pourrit, et quiconque voudrait rouvrir l'endroit balancerait sûrement tout à la benne. Ces machines servent à pratiquer des inhalations, censées soulager certains symptômes en vaporisant de l'eau de la source thermale sur le visage ou par le masque qui pendouille au bout du tuyau. En arrivant ici, ces installations nous ont semblé très obsolètes, mais en réalité, il existe toujours des hôtels et établissements de cure proposant la même chose. Comme quoi, les traitements n'ont pas dû beaucoup changer depuis le temps. Par contre, pour ce qui va suivre, là, je sais pas trop. Retourner dedans, je pense. Là, il y a une pièce avec des équipements qui nous ont un petit peu surpris. Là, pendant une seconde, j'ai pensé à...
J'ai montré un petit peu comment fonctionne cette chaise en s'installant dessus. On va pas le faire. Non. Bon, là, on a quand même une ambiance particulière. Faut comprendre qu'une fois qu'un bâtiment est laissé vacant, les choses ont tendance à se déplacer, et il est jamais exclu de tomber sur une mise en scène destinée à faire une meilleure photo. En prenant le temps d'examiner les alentours, on arrive souvent à démêler tout ça. Les étagères peuplées d'embouts de rechange, ainsi que le petit monte-charge, n'auraient rien à faire en salle de soins. Et le sinistre fourneau vert non plus. Il a des homologues dans les étages supérieurs, on les verra tout à l'heure. À mon avis, la pièce où on se trouve est un espace de stockage. Ça n'élucide pas le but de cette chaise, et si on a fait l'impasse sur la démonstration, il y a certaines recherches internet qui m'enchantent pas non plus. De l'autre côté du mur, on trouve une salle moins encombrée, équipée d'un genre de pompe et d'une chaise dans le même esprit. J'imagine qu'il y a des traitements nécessitant de mettre de l'eau à l'intérieur des gens par des voies spécifiquement placées proches de la bassine. C'est pas que j'ose pas dire les termes sur les termes, mais c'est un peu une excuse pour faire de la prose sans être explicite. Par contre, j'ose volontiers vous suggérer explicitement de vous abonner pour soutenir les gros projets qui arrivent si vous aimez le ton de mes vidéos. Dans les étages supérieurs, on va constater la décrépitude des chambres vieillottes. On l'a déjà abordé dans une précédente vidéo. Une fois que l'activité est en dégringolade, il faut se réinventer et investir pour redresser le cap. Mais c'est un cercle vicieux. Il y a déjà moins de clients, moins d'argent, et donc difficile d'investir pour se moderniser et attirer plus de clients. Dans le cas des villes thermales, qui ont tout misé sur l'engouement autour de la qualité de leurs eaux, il faut donner une bonne raison aux gens de revenir. Et ça s'improvise pas. Si la zone a des intérêts touristiques, au niveau du paysage, de l'architecture ou d'autres choses, il y a de quoi trouver des solutions. Mais quand même pas du jour au lendemain. Alors la centaine de chambres de cet hôtel est bien vide. On peut venir sans réserver, et il y a du choix. Écroulée, sombre et putride, ou au contraire, ouverte aux quatre vents, elles se suivent et ne se ressemblent pas. Avec un jacuzzi au coin du couloir, tout est là pour passer un bon séjour. Bref, si on s'avance par ici, après il y avait genre un jacuzzi, un petit peu à l'ancienne, qui se trouve juste ici. Ouais, les portes claquent. Et un petit peu de vent. Du coup là, voilà, il y a de la place pour un certain nombre de personnes. C'est génial. Je vais vous faire une confidence. J'ai jamais mis les pieds dans un jacuzzi. Alors je saurais pas vous dire si c'est un truc qu'on partage avec des inconnus. À côté, il y a la version solo, grand classique des cures thermales. Revenons là-dessus d'ailleurs. En cherchant sur internet, difficile de juger de l'efficacité réelle de ces traitements. Forcément, les sites qui en vendent sortent en premier et il est difficile de faire la part des choses. Faut diversifier les sources, sans jeu de mots. Comme j'ai pas le temps de faire des études de médecine avant de terminer cette vidéo, je vous donnerai aucun conseil sur le sujet. Après, j'ai bien sûr mon avis personnel, et évidemment, je peux pas être 100% objectif. Par endroits, je lis qu'il peut y avoir des effets bénéfiques sur certaines pathologies, d'autres avis sont dubitatifs. En tout cas, faire des trucs avec des autres sources, c'est un peu plus qu'un délire moderne. Les gens profitent des eaux thermales depuis bien longtemps. À l'époque de l'Empire romain, c'était surtout pour se laver. Après, voilà, il me semble que se laver, c'est déjà une bonne pratique contre les maladies. À travers le Moyen-Âge, un certain intérêt pour ces eaux persiste. C'est au XVIIIe siècle que des établissements à proprement parler sont construits. Au XIXe, l'engouement grandit fortement, et au fil du temps, les traitements se sont diversifiés. Comme je le disais plus tôt, le secteur des cures thermales a pris du plomb dans l'aile autour des années 90. En France, c'est une baisse de 15% de fréquentation en 7 ans. Ça commence à faire beaucoup. Ici, on est en Italie, mais c'est la même problématique. Certains établissements se sont remis, mais pas celui-ci. Il y a un mystère que je ne parviens pas à éclaircir sans faire de recherche, donc il va falloir s'y coller. Mais je ne comprends pas trop à quoi ça sert. En effet, il y a plusieurs installations comme ça. Il y en a à peu près une à chaque étage. Et je me demande en fait si on mettait des gens là-dedans, comme une sorte de sauna, mais c'est bizarre parce que, eh ben, plus loin là-bas, il y a genre des vrais saunas. Du coup, c'est un petit peu étrange. Je suis certain qu'on mettait personne là-dedans. Avec le recul, il s'agit peut-être d'un système pour chauffer ou sécher des serviettes. Pas facile d'en avoir la confirmation, mais j'ai demandé à des potes qui n'y connaissent rien de plus que moi, et ils sont plutôt d'accord. Pour le reste des équipements, là, j'ai pas fait de topo complet non plus. On n'est pas dans un catalogue. Les plus curieux d'entre vous feront leurs propres recherches.
Mais à vrai dire, je vous conseille plutôt d'aller voir une autre vidéo d'hôtel dispo sur ma chaîne. Faut parler des sujets qui fâchent. Certes, c'est immense, mais c'est aussi extrêmement défoncé. Il nous reste encore pas mal de trucs à voir dans cet hôtel, et on y va tout de suite, du coup. Vas-y, attends, mec, petite pause, là. Mec, vas-y, ça te dit pas, on fait autre chose. Mec, vas-y, j'ai une idée, on va sur une station radar sur la montagne et on dort dedans. Vas-y, mec, on fait ça. Chaud. Allez, c'est parti. Non, parce que les hôtels, voilà, hein, c'est tout le temps des hôtels. C'est tout le temps des chambres.